Bonjour à tous, ici le Dr Bob. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir ici au début des vidéos, mais c'est parce qu'aujourd'hui nous avons un problème extrêmement urgent à régler. Une question qui concerne l'une des anomalies les plus meurtrières de la Fondation SCP, le SCP-096, l'homme timide. Nul besoin de vous présenter cette créature, car elle hante probablement déjà tous vos cauchemars. Fermez les yeux et imaginez-la. Ce visage émacié, à la mâchoire complètement relâchée et aux yeux blancs, sans vie. Un visage que l'on espère ne jamais voir au cours de sa vie. Cette peau pâle, plaquée contre les os. Ses membres, incroyablement longs et chétifs. Il est là, assis dans son enceinte de confinement hermétique. Il se couvre le visage et sanglote discrètement. Il est toujours en train de sangloter, comme s'il était victime d'un terrible malheur. Il se peut qu'en songeant au SCP-096, vous ressentiez une pointe de sympathie, mêlée à de la terreur. Après tout, cette anomalie n'est pas sadique. Pourquoi un sadique pleurerait-il lorsqu'il tue, comme le fait le SCP-096? Vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. J'ai passé de nombreuses nuits à boire des cafés et à éplucher des dossiers classifiés pour essayer de trouver des réponses. Le SCP-096 est considéré comme l'une des créatures de classe Euclide les plus dangereuses en confinement. Et pourtant, on sait très peu de choses sur lui, si ce n'est sa capacité à causer beaucoup de tort lorsque quelqu'un a la malchance de voir son visage et de le mettre en colère. Comment cela est-il arrivé? C'est une question réservée aux personnes curieuses, comme vous ou moi. Et après des mois de recherche intensive, je pense avoir trouvé une réponse. À vous de voir si vous voulez y croire. Mais attention, lorsque vous découvrirez ce que je crois être l'origine tragique et déchirante de ce monstre terrifiant, il se peut que vous ne puissiez plus jamais le regarder de la même façon. Même si le regarder ne doit en aucun cas figurer en tête de vos listes des priorités. Tout commence dans la taverne d'un petit village népalais, à quelques kilomètres de la frontière chinoise, où se trouve le mont Everest, la plus haute montagne au monde. Sa seule existence est comme un défi lancé aux personnes courageuses et téméraires. « Conquiers-moi », semble-t-il murmurer. « Conquiers-moi et affirme-toi au-dessus de tous ceux que j'ai déjà vaincus. Deviens Dieu parmi les hommes. » Il y a toujours un murmure de ce genre, mais peu de gens parviennent à l'entendre. Et hélas pour lui, l'explorateur fait partie de ces quelques personnes. Il est assis dans l'un des nombreux recoins confortables de la taverne, en train de déguster une assiette de curry de mouton tout en sirotant du chang, une boisson locale populaire dans une tasse en cuivre. Comme son nom l'indique, l'explorateur a parcouru un long chemin pour arriver ici. Les villageois présents dans la taverne lui jettent des regards en coin. Ils en ont déjà vu tellement comme lui, tout sourire et bombant leur torse, persuadés de figurer parmi les quelques privilégiés qui ont conquis la montagne qui surpasse toutes les autres. Les corps de nombreux hommes comme lui sont encore figés par la glace sur la montagne. Un habitant courageux, un homme âgé qui parle couramment l'anglais, prend place en face de notre explorateur. Le vieil homme lui dit que ce qu'il pense trouver sur la montagne, honneur, gloire, reconnaissance, il ferait mieux d'aller le chercher ailleurs, car seule la mort l'attend sur les rochers glacés. L'explorateur, jeune, en pleine forme et tout en confiance, lui répond que la mort ne concerne que ceux qui n'ont pas travaillé assez durement, ceux qui ne se sont pas préparés. Il a déjà escaladé d'autres montagnes, partout dans le monde, de l'Écosse au Pérou. L'Everest ne lui fait pas peur, c'est juste un nouveau défi à relever. Le vieil homme est, comme vous pouvez l'imaginer, décontenancé par l'arrogance de l'explorateur. « Tout n'est que confiance et fanfaronnade aujourd'hui, » dit-il de sa voix fluette et rauque. « Mais que diras-tu quand tu seras face au roi ?» L'explorateur, qui suppose que ce roi n'est autre que la montagne elle-même, sourit et répond. « Je vais lui prendre sa couronne. » Sur ce, le vieil homme s'en va, après avoir au moins essayé de dissuader l'explorateur de faire ce funeste périple. Au moins, il a la conscience tranquille maintenant. Il a fait tout ce qu'il pouvait. L'explorateur, qui ne se soucie guère des sombres prophéties des habitants superstitieux, termine son curry et son chang et se retire dans la chambre qu'il a louée à l'étage. Il est si excité. Demain, ce sera enfin le jour J. Tous ces mois passés à s'entraîner vont enfin porter leurs fruits. Il va grimper l'Everest. Ce sera l'exploit de sa vie. Un exploit qu'il n'est pas prêt d'oublier. Jamais. Même s'il le voulait. Le lendemain, il enfonce la pointe de son piolet dans le flanc de la montagne en poussant des petits cris. Il s'efforce de se hisser de quelques mètres supplémentaires. Il est à environ 2000 mètres d'altitude, et chaque mètre supplémentaire lui donne du fil à retordre. Il fait un froid glacial, si intense qu'il a l'impression de porter du papier hygiénique mouillé dans ses vêtements thermorésistants très chers. Mais la douleur n'a pas d'importance. Le froid n'a pas d'importance. Il trouve ça exaltant. Bien sûr, tout comme le vieil homme le lui a dit, il risque de mourir sur cette montagne. Mais la vérité est que l'explorateur ne s'est jamais senti aussi vivant.
Il se hisse encore un peu plus haut, tout en essayant de contrôler sa respiration, tandis que ses doigts gelés, enveloppés dans d'épais gants, luttent pour trouver un appui sur cette paroi si abrupte. À de nombreux moments, il doit supporter tout le poids de son corps avec ses seules mains. Cela demande souvent une force herculéenne que seule une vie d'entraînement peut permettre d'obtenir. En fait, il n'y a pas de place pour l'erreur sur le mont Everest. Un seul faux pas et vous plongez vers la mort. Ou alors, vous finissez par congeler sur le flanc de la montagne. Et comme l'Everest est très dangereux, personne ne vient jamais récupérer les corps des alpinistes morts. Leurs cadavres, revêtus de manteaux divers souvent colorés, jonchent la montagne. Certains les considèrent comme un avertissement funeste. D'autres alpinistes, plus morbides, les considèrent comme des bornes kilométriques, des repères pour pouvoir effectuer leur ascension de manière plus sécurisée. La question de savoir si l'explorateur aura de la chance ou s'il deviendra une autre de ces bornes kilométriques congelées est entièrement laissée au hasard. Il grimpe pendant quelques heures encore. Il ignore la douleur et repousse les limites physiques de son corps jusqu'à ce qu'il atteigne un plateau bien mérité. Là, il installe un petit bivouac et mange une de ses rations. Heureusement, le lieu est assez bien protégé des terribles vents glaciaux, ce qui lui permet de dormir sans mourir de froid. Il est impossible de conquérir l'Everest aujourd'hui, et même quelqu'un ayant le courage de l'explorateur n'oserait pas s'y essayer. Mais alors qu'il se prépare à dormir, il ne peut s'empêcher de lever les yeux, et la grandeur de ce qui se dresse devant lui le terrifie. La montagne est colossale et s'élève jusque dans les cieux brumeux, comme si son sommet n'était qu'à un saut de puce de la lune. Pour la première fois, l'explorateur commence à se poser des questions. Vais-je réussir à escalader cette montagne, ou vais-je mourir en essayant de la gravir? Toutefois, il n'envisage pas une troisième option qui pourrait être bien pire. Au cours des jours suivants, il continue à grimper de plus en plus haut. Des centaines, puis des milliers de mètres défilent sous ses pieds. Il dépasse même les limites que la biologie semblait lui avoir fixées. Impossible de le décourager. Il fait preuve d'une volonté à toute épreuve, parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il sait que s'il jette l'éponge maintenant, tout cela n'aura servi à rien. Il sera un raté de plus, un cas parmi des milliards d'autres. Sa vie n'aura plus aucun sens. Il n'aura rien laissé en héritage. Il ne sera qu'un autre type lambda, que tout le monde finira par oublier. Et à vrai dire, ça l'effraie encore plus que la perspective de mourir de froid ici. Finalement, au prix d'un énorme effort, il atteint les 8000 mètres d'altitude. Une zone connue sous le nom de « zone de la mort », où l'on pense qu'il est impossible pour l'homme de s'acclimater. L'air se fait rare et peu de gens avant lui ont eu l'occasion de le respirer. Il a également vu tant de bornes kilométriques aux couleurs vives sur son chemin. Le sol est glissant et le froid mord la peau de l'explorateur. Mais au moins, il est parvenu jusqu'ici. Il est maintenant à moins de 1000 mètres du sommet. Il est à deux doigts de conquérir la montagne. Vous ne pouvez donc qu'imaginer sa surprise lorsqu'il voit un autre alpiniste descendre le flanc de la montagne dans sa direction avec une étrange désinvolture. Il est en tenue d'alpiniste traditionnel, avec un pantalon thermique blanc et un manteau à capuche, fermé jusqu'au menton. L'explorateur ne peut distinguer le visage de l'étranger. Il ne voit que la paire de lunettes noires qu'il porte. Mais que se passe-t-il donc? À la seconde où les yeux de l'étranger se posent sur lui, il ressent une effroyable sensation. La morsure du froid a disparu. Le souffle glacial ne l'atteint même plus. Au contraire, il ressent une sensation de chaleur, de confort et de satisfaction, comme s'il était assis devant un feu de cheminée dans une cabane bien isolée. Dans d'autres circonstances, ces sensations pourraient être bien accueillies. Mais un alpiniste chevronné sait que c'est en fait l'une des pires choses que l'on puisse ressentir. Cela signifie que la mort approche et que votre corps lui ouvre la porte d'entrée pour l'accueillir. Et si c'est cet étranger qui provoque ces sensations, alors une chose est sûre, c'est une mauvaise nouvelle. L'explorateur veut se retourner et s'enfuir, mais il constate qu'il en est incapable. C'est comme s'il était figé sur place, subjugué par la sensation de chaleur et de convivialité que l'autre alpiniste semble dégager à mesure qu'il s'approche. C'est alors que l'explorateur remarque quelque chose d'étrange à son sujet. Quelque chose brille à travers ses lunettes, comme des braises chaudes, d'un orange vif. Est-ce que ce sont des yeux? Mon Dieu, ce sont ses yeux. L'explorateur ressent ce terrible regard. Il le ressent littéralement. Ça lui fait mal d'être regardé par ce monstre. Oui, c'est ce qu'il est. Un monstre. Un monstre qui a une apparence humaine. « Pourquoi es-tu ici, mortel ?» dit la voix puissante de l'alpiniste non-humain. « Veux-tu me défier ?» L'explorateur est incapable de prononcer le moindre mot. Il tremble. Son corps perçoit le froid, contrairement à son esprit, alors que ses deux yeux brillants le transpercent. « Réponds-moi !» ordonne l'étranger. « Qu'est-ce que... êtes-vous ?» lâche l'explorateur tant bien que mal. L'étranger rit. « Je suis le roi de la montagne. » Mais pour la fondation SCP, il est plus connu sous le nom de SCP-1529. Et c'est la pire chose que l'on puisse rencontrer lorsqu'on tente de gravir le mont Everest.
L'explorateur se remémore sa conversation avec le vieil homme dans la taverne et la question qu'il lui a posée. Que diras-tu quand tu seras face au roi ? Il se rappelle aussi de sa réponse stupide. Je vais lui prendre sa couronne. Désormais, face au roi de la montagne, le pauvre explorateur terrifié ne peut que gémir et implorer sa pitié. S'il vous plaît, dit-il alors que des larmes gèlent sur ses joues. Je voulais juste grimper. Le roi de la montagne éclate à nouveau de rire. Alors tu vas grimper, dit-il. Et grimper encore, et encore, et encore. Le roi de la montagne doit avoir utilisé un pouvoir indescriptible pour pouvoir faire ce qu'il a fait ensuite. D'un simple signe de tête, l'explorateur est soudainement suspendu au flanc de la montagne. Ses doigts sont enfoncés dans les rochers escarpés qui sont la seule chose à supporter son poids. C'est comme s'il était revenu à la case départ, mais avec en plus la douleur, la terreur et un froid si intense qu'il sent ses os trembler. Et en même temps, il sent ses yeux sur lui, ses yeux brûlants, ardents, qui le fixent avec une malice absolue. Il continue à grimper. Chaque fois qu'il atteint un plateau, un endroit où il pourrait se reposer, ne serait-ce qu'un instant, le roi de la montagne est déjà là à l'attendre, le fixant de son horrible regard. Et voilà que l'explorateur est reparti pour une nouvelle ascension, avec des vents très violents. Le vent, ajouté à la tension constante que l'ascension fait peser sur ses muscles, constitue la pire des agonies. Et pourtant, il est toujours vivant. Même si cela fait des jours, des semaines, des mois, des années qu'il n'a pas mangé, il ne meurt jamais. Il vit sans cesse cette même torture, encore et toujours. C'est comme si le roi de la montagne le gardait en vie pour s'amuser. Un jouet impossible à casser. Si l'explorateur ne craque pas, à mesure que le temps passe et que les souffrances perdurent, il commence à changer, tel un rocher que la marée vient façonner. Tout d'abord, en raison du stress continu, il a perdu ses cheveux et sa peau est devenue pâle suite au manque de soleil. Ensuite, il a excessivement maigri du fait de la privation de nourriture et de la malnutrition. L'effort physique permanent qu'il fournit déforme même ses membres. Ses bras et ses jambes se sont étirés. Son corps est devenu trop long et bizarre. Durant toute cette horrible et inhumaine épreuve, le roi de la montagne le fixe du regard. Un beau jour, l'explorateur désormais métamorphosé est parvenu à un plateau. Et comme on pouvait s'y attendre, le roi de la montagne était là à le fixer de ses yeux ardents. L'explorateur s'est alors effondré et a plongé son visage dans ses mains, tout en sanglotant d'épuisement. Il souhaite simplement que le roi de la montagne détourne le regard, qu'il le laisse tranquille. Il bafouille des choses incohérentes, et il ne veut plus être observé. Sa souffrance fait tout simplement rire le roi de la montagne. « J'ai exaucé ton vœu, » dit le roi de la montagne, d'une voix empreinte de mépris. « Tu voulais grimper, n'est-ce pas ? Tu pensais que ton ascension telle est vraie, qu'elle te rendrait supérieure aux humains. » Mais à présent, tu ne vaux plus rien. Notre aventure s'arrête ici. Je suis fatigué de jouer avec toi. » Et c'est sur ces paroles que le roi s'en est allé. L'explorateur se retrouve seul, coincé au milieu de la neige et des vents violents de la zone de la mort. Mais toujours vivant, il peut enfin s'en aller. Au final, après ce qui lui a semblé être une éternité, il a réussi à s'en sortir. Lorsque l'explorateur arrive à nouveau au village, il n'a plus rien d'un explorateur. Cela fait des années qu'il a disparu sur la montagne. Le vieil homme qui l'avait mis en garde quant à son projet de gravir l'Everest est décédé depuis longtemps. Les autres villageois ne lui ont pas offert la même attention. Seul, il est de retour au village en se couvrant le visage. Tout ce qu'il entend, c'est le vent qui gronde et ses propres sanglots. Il a mal partout. Il a terriblement peur. Il a besoin d'aide. Comment se fait-il que personne ne l'aide ? Le soleil commence à se lever et le village s'éveille. Les gens sortent de chez eux pour vaquer à leur occupation. Aucun d'entre eux ne s'attend à voir un monstre déambuler dans leur rue. Une monstruosité au teint blafard, allongé et dépourvu de cheveux et de poils. Il suscite un mélange de peur et de curiosité, tandis qu'il déambule en sanglotant bruyamment d'une voix étrange. Ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. C'est comme s'il sortait d'un mythe ou d'un conte. Mais concernant notre ancien explorateur, la situation est bien pire. Dans un premier temps, il pensait que les villageois allaient l'aider. Mais par la suite, il a vu leurs yeux. Le même orange intense et ardent que celui du roi de la montagne. Ce même regard horrible auquel l'explorateur pensait avoir échappé en quittant la montagne. Ce regard qui signifie douleur, torture et folie. Même lorsqu'il se cache le visage ou qu'il les supplie de s'en aller, il sent toujours ses terribles yeux posés sur lui. Est-il toujours sur la montagne ? Est-il toujours à la merci du roi de la montagne ? Ne s'agit-il que d'illusions ou d'hallucinations ? S'agit-il d'un autre affreux mauvais tour ? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel supplice ? Le fait de vouloir escalader une fichue montagne valait-il ce genre de souffrance perpétuelle ? Cela méritait-il que tous ces yeux monstrueux le dévisagent ? L'explorateur constate que son angoisse se change en un autre sentiment. La fureur grandit en lui.
Le type de colère absolue qui mène inéluctablement à un résultat, la violence. Ils hurlent en premier, puis ils se mettent eux aussi à hurler. Puis le massacre commence. La créature qui était auparavant l'explorateur se montre sans pitié. Même lorsqu'ils essaient de s'enfuir, il sent toujours leurs yeux sur lui. Il doit tous les tuer. Il doit les anéantir rapidement. Il ne doit en rester aucun. C'est le seul moyen pour lui de se sentir à nouveau en paix. Il se produit une sorte de terrible réaction en chaîne. Le bruit des horreurs qui se déroulent dans la rue pousse les gens à sortir et à voir ce qui se passe, à observer la créature qui commet ce carnage, à observer son visage. Ils sont loin de se douter que ceci est en train de les condamner. En moins d'une heure, le village est désert. Il ne reste que la créature. Autrefois, il était explorateur. Et maintenant, il est effrayé, dérouté et seul. Il restera à jamais seul. L'anomalie, qui sera bientôt connue sous le nom de SCP-096, plonge sa tête dans ses mains et pleure. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-3063. Une mouche télépathe est votre nouveau thérapeute, pour découvrir une autre tragédie anormale qui vous touchera au plus profond de vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.